Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélo et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reactionnelle direction la Corée du Sud avec le retour d'un des membres du boss group coréen Super Junior, j'ai nommé Yesung, qui nous revient avec un cinquième mini-album qui se nomme, attention comment je le prononce, Une Fighting Sense, c'est de plus ou moins potable, et aujourd'hui nous propose un MV pour son titre phare qui se nomme Sentient Things. Mais avant d'éplatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, mes chers Mélimélo, roulement de tambour et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce 4 octobre et que vous avez passé relativement une bonne journée. Moi, ma météo du jour est relativement bonne, un peu fatiguée car les nuits avec un nourrisson sont pas si faciles que ça. Quoique ça va, je me réveille quoi 2 à 3 fois, mon compagnon essaye, mais comme il va bientôt reprendre le boulot, ben j'essaye moi de plus me réveiller pour qu'il puisse récupérer de ses 3 dernières semaines. Hein. Donc voilà, mais je vais relativement bien. Si vous entendez des petits bruits et que vous me voyez juste bouger avec une main, j'ai mon fils actuellement dans les bras, car il est bien dans mes bras aujourd'hui. Il a quelques colis, qui vient de manger, enfin il a mangé un peu plus d'1 heure maintenant hein, quand je filme, et il se calme juste dans mes bras. Donc voilà, aujourd'hui ben, il sera principalement dans mes bras, je pense. Il dormait, là il est bien éveillé, il me regarde avec ses beaux yeux bleus gris là. J'aimerais bien qu'il garde ses yeux là, mais à mon avis il va avoir les yeux bruns de son père et de sa mère. Bon, moi j'avais des yeux verrons, un œil vert et un œil brun, mais bon, son père a des yeux bruns. Il a beaucoup de cheveux aussi, ça j'étais contente. Et les mêmes cheveux noirs que son père, bah oui, hein. Il est moitié italien, moitié belge après tout. Ah mon fils, vous êtes tellement beau. J'ai envie de vous bouffer, en oui littéralement. Donc voilà, si vous voyez que je parle un peu n'importe comment, c'est parce que c'est la première fois que je filme avec mon fils dans les bras. Ça va sûrement être récurrent les prochains jours, parce que comme mon copain va reprendre le boulot, ben, il ne sera pas tenir le petit pendant que je filme, et j'ai envie de continuer à filmer mes vidéos malgré que je suis devenue une daronne tout simplement, et sera une organisation tout simplement. C'est pas parce que je filme avec mon fils dans les bras que je suis une mauvaise mère, parce que je vois déjà certains commentaires, j'espère pas en avoir, mais à mon avis peut-être que j'en aurai, parce que il y a toujours des mères parfaites qui diraient bah t'as pas t'occuper de ta chaîne, t'as qu'à t'occuper que de ton fils et tout. Je pars du principe que je reste une femme à part entière, une femme qui est en couple, mais aussi une maman, et je veux consolider tous ces aspects de ma vie, et c'est pas parce que j'ai un enfant que je suis devenue maman que je veux oublier mes passions, notamment YouTube. Et puis quand je vais reprendre le travail aussi, ce sera toute une nouvelle organisation. Logiquement, je devrais reprendre le boulot le 9 février, mais il y a un petit problème avec ma mutuelle, ils font n'importe quoi, ils se sont trompés de date et tout, ils doivent me ressonner normalement aujourd'hui, demain. S'ils me ressonnent pas demain, il faut que j'aille sur place, parce que franchement, je vous dis pas, quand vous avez votre arrêt de grossesse, puis votre congé de maternité, puis vous allez prendre votre congé d'allaitement, c'est du gros bordel. Bon, j'arrête de parler là, je vais me mettre dans l'axe pour voir le retour de Yesung. Je trouve qu'il nous revient assez vite, Yesung, hein. Il est revenu il n'y a pas si longtemps que ça, avec un nouvel album et même aussi un album japonais. En tout cas, je vous mettrai ici les liens de mes réactions. Mais je suis très contente de le retrouver, après tout, c'est le membre que je préfère dans Super Junior avec Lee Tuck. Après je les aime tous, mais Yesung avec sa personnalité 4D, je kiffe trop ce mec. 3, 2, 1. Tu te rendors mon amour? Qu'est-ce que t'entends, la voix de maman? Oh non, de nouveau un problème de connexion. Bon, on va recommencer. Hein. Désolé les gars, mais il y a un petit problème de connexion. Oh, il y a une pub. Ok, tac, et c'est parti. On va être sur quelque chose qu'on a l'habitude avec Yesung. Hein. Souvent il fait de l'indie pop, voire un peu jazz aussi. Est-ce qu'on aura plus une performance vidéo?
pense qu'il aime bien cette chanson parce qu'il s'endort. Non, il s'endort pas. Les choses parfumées, c'est toi. J'aime beaucoup parce qu'on a un son acoustique et c'est très rare actuellement les sons acoustiques parce que c'est souvent modifié avec de l'autotune, etc., etc. Mais là, franchement, j'aime bien. Il faudrait de plus en plus des chansons comme ça. Il est tellement doué dans les balades. Il a une texture de voix tellement particulière. C'est ça que j'aime avec Yesung. En tout cas, on parle de parfum. Est-ce qu'il veut formuler sa pensée avec ce côté l'amour, le parfum, tu vois. Ton parfum ne fait que se renforcer, que puis-je faire. Comme si son parfum et la personne qu'il aime, c'est addictif. J'aime beaucoup cette partie, ce refrain. Il est tellement beau. Tu vois, on parle toujours de ce côté parfum. Par exemple, mon copain, je vais vous faire un parfum et quand il le met, c'est tellement addictif que j'ai envie de le renifler tout le temps comme ça, comme une malade. Mais à un moment, il dit des bêtises. Il s'est endormi. Il a ses petites mains comme ça en éventail, ça veut dire qu'il est apaisé. Je suis trop amoureuse de mon fils. Ça aussi, le retour hormonal, les gars. Je fais que pleurer ces derniers temps, que c'est saoulant, cette chute d'hormones. Et... Ah, ce côté acoustique, oh, ce petit... Très belle scène avec ce coucher de soleil. Après avoir souffert le matin, peut-être que j'irai mieux maintenant. Pourquoi t'irais mieux maintenant? C'est un très très beau MV. Alors, gros coup de cœur pour ce titre, même si j'ai plus un gros coup de cœur au niveau du refrain. On a quelque chose de hyper apaisant, quelque chose encore une fois de très pop, de très indie, comme on a l'habitude de voir en général avec Yesung et ses précédents opus. J'aime beaucoup ce côté hyper acoustique, moi j'aime énormément quand tu fais vraiment dans le naturel, hein. Nature peinture. Les paroles contiennent vraiment un message, toujours cette concordance entre l'amour et ce parfum, comme si c'était addictif, comme si tu sentais ce parfum, ben c'est un certain sens, tu t'épanouis avec cette expérience et ce parfum a comme un ADN et ça peut jamais s'effacer, comme l'amour que tu peux porter à une personne si tu es vraiment amoureuse, même après une rupture, tu peux avoir une... comment dire... une certaine addiction. En tout cas, le MV était très simple, mais allait très bien avec ce qu'on pouvait ressentir émotionnellement à travers cette chanson, vraiment très nature, avec ce côté acoustique. Rien à dire, vraiment. Et vous, mes chers Mélimélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié le retour de Yesung et ce titre phare de ce nouvel album, ce côté très indie pop acoustique, si vous avez aimé aussi ce coucher de soleil à la fin. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Leonara.
Avec ça, j'ai oublié de vous dire ce que je pensais de l'album de Yesung. Il est constitué donc de 6 titres et au niveau du visuel de la jaquette, j'aime énormément parce que vous avez des fleurs qui sont vraiment très très bien, en bonne vie et tout. Et puis un côté où elles sont en fait tout simplement fanées sous un fond gris. Peut-être ce côté parfum pour montrer tout simplement cette dualité quand tu es amoureux, ce parfum qui est enivrant, addictif. Et puis quand tu as cette rupture et que tout s'essouffle, se meurt. Je pense que ça doit être à peu près ce message, non ?